Je suis Abdourahmane Diallo, directeur général du Conseil sur l'indépendance de la Touré. Alors, Monsieur Diallo, oui. Avant-hier, les résultats sont sortis par endroit concernant le CEE et les résultats du BEPC. Et bonne nouvelle pour vous, votre école. D'ailleurs, je vous félicite. Et apparemment, les premiers viennent de votre école. Parlez-nous de vos sentiments. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Parce que quand vous planifiez quelque chose, vous avez un objectif au début de l'année. Parce qu'au début de l'année, il faut fixer un objectif. Vous fixez l'objectif, en fin d'année, vous avez le résultat escompté. Vous ne pouvez que vous réjouir. Je suis vraiment content. Quel est votre secret? C'est le travail. À l'école, le secret, c'est le travail. C'est la motivation. Je crois qu'il faut suivre les enfants. Les enfants qui sont premiers, tous les premiers, quand vous voyez les parents, ils sont tous à l'école. Ils sont avec les enfants. Ils suivent les enfants. Il y en a même qui demandent des exercices, plus d'exercices. Il y en a qui en tout cas, les enfants, quand, dès que vous voyez les enfants, vous dites que cet enfant-là est suivi à la maison. Parce que les enfants, ils ne s'absentent pas. Ils sont toujours là, ils sont toujours là à l'heure. Donc, c'est le suivi. C'est ce que nous conseillons aux parents. D'accord, d'accord. Vous pouvez nous parler des statistiques de votre école, oui, le taux de réussite? On a présenté 61 candidats, on a eu 60 admis. Waouh! On a présenté 61 candidats, on a 60 admis. 60 admis? 60 admis, 60, oui. Waouh! Il y a un garçon qui n'est pas admis. Un garçon? Oui, oui. Maintenant, le taux des filles, taux des garçons? 31 garçons, 30 filles. Ça fait 61. C'était... Maintenant, il y a 30 filles admises, 30 garçons admis. C'est équilibré. Oui, ouais, c'est équilibré, oui. C'est très facile d'être premier, mais ce qui est difficile, c'est de maintenir. Exactement. Donc, quand vous prenez les 10 premiers de la commune, nous avons 8. Parmi les 10 premiers, nous avons 8. Nous avons le premier, le deuxième, le cinquième, le septième, le neuvième et le dixième. Donc, ce que nous allons faire, c'est de continuer à travailler. Continuer à travailler avec les... Surtout avec les... Il faut collaborer avec les parents. Les enfants qui réussissent souvent, c'est ce que je dis souvent, les enfants qui sont les meilleurs là, ce sont les enfants qui sont vraiment suivis à la maison. Il faut suivre les enfants, il faut conseiller les enfants, il faut faire les exercices avec les enfants. C'est ce que moi j'ai demandé aux parents. Mohamed Koulibaly, ok. Tu es élève en sixième. Ok, où? Complexe scolaire. Ok, à Mamouna Touré. Donc tu as fait la sixième cette année. Et les résultats sont sortis, tu as été le premier de la commune de Matam. Quel est ton ressentiment par rapport à ça? Quand les résultats ont été proclamés, comment tu étais, quoi? Comment tu as ressenti la nouvelle? Je commence d'abord à remercier mes parents. Parce que mon ami a travaillé. Donc, c'est mon répétiteur. En étant le premier de la commune, je n'imagine pas que je me remercie. Donc, je remercie beaucoup de mes parents et mes éducateurs. Alors, comment était ta joie? Elle était comment? Comment tu peux nous décrire comment tu étais quand ils ont dit, écoute, tu es le premier de la commune de Matam? J'étais contente vraiment. Je remercie beaucoup mes parents pour ce qu'ils ont fait. Et toi aussi, tu as beaucoup travaillé. Félicitations. Et dis-nous, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire quand tu vas un peu grandir? Bon, je vais essayer de travailler. En même temps, je veux être footballeur et je veux être encore. Je veux être ministre. Wow. Tu choisis quoi du coup? Ministre de l'éducation. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup l'éducation. C'est pour cela. Tu aimes beaucoup l'éducation et tu voudrais aussi encourager tes concitoyens, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. S'il te plaît, présente-toi. Je me nomme Oumou Moulsana, élève de la 6e année, complète scolaire de Mamouna Touré. Alors, tu as fait la sixième cette année et les résultats sont sortis, tu es admis. Oui. Tu as été le deuxième de la commune de Matam. Oui. Alors, quand on t'a annoncé que tu étais le deuxième de la commune de Matam, quelle était ta réaction? Ma réaction, c'était, je ne pouvais même pas imaginer que je serais le deuxième de la commune. Parce que je remercie d'abord mes parents qui ont donné l'occasion que je sois le deuxième de la commune.
J'ai travaillé dur avec mon répétiteur à la maison. Ma réaction, quand on a dit que j'ai eu, je n'ai pas su c'était joyeux. D'accord, je vois, c'est bien déjà. Alors toi aussi, tu as un rêve? Oui. De devenir quoi? Je veux devenir footballeur et ingénieur de bâtiment. Ingénieur de bâtiment? Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la construction. Je veux construire une maison. D'accord, c'est compris. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Merci beaucoup.